Salut à tous, ça y est, je me lance, les Romac. Une grande histoire d'amour entre les Nuzlocke et les Romac. Hein. Ça permet de rendre des jeux bien plus durs, bien plus intéressants. Et vu que j'en ai ras le cul en fait de la première gen, si je dois faire la première gen en Nuzlocke, faut que ce soit dans un Romac. Donc Romac de Draiano, Fire Red, Omega. J'ai une petite heure devant moi, j'ai très très hâte. Donc j'ai dit, j'ai pas besoin de rappeler les règles, tout le monde les connaît, mais la différence c'est que là je joue en complètement blind. Donc là j'ai noté les level cap en bas, mais je ne connais même pas les Pokémon des dresseurs. Hein. Donc voilà, là je sais que Pierre c'est niveau 14. Je ne sais pas quels encounters, etc. Mais voilà, là on peut voir que c'est la troisième gen et il y a les 386 Pokémon. Tous les Pokémon d'ailleurs, all 386 Pokémon, so, il y a tout le monde. Les level up et les stats ont été édités pour que les Pokémon blablabla, méthode d'évolution ont été éditées pour que tu puisses évoluer le jeu, les évoluer. Ça c'est énorme aussi, hein, de pouvoir enfin pouvoir jouer un Maconeur ou un Grolem ou un Cizayox, c'est génial. Merci Draiano pour ce mod. Donc le jeu évidemment est en anglais, parce que bah, c'est un hack de Draiano, mais ça va, c'est de l'anglais rudimentaire, allez pas me dire que vous comprenez pas ce qui est écrit, d'accord. Hein. Donc on speedrun, hein, moi je sais déjà où aller. Donc du coup, putain je sais pas qui prendre en vrai. Parce que, on est d'accord que normalement le easy mode c'est de prendre Bulbizarre quoi. Mais je pense pas prendre ça la mèche en vrai. Enfin c'est toujours bien d'avoir un... Ah! Ah oui! Par contre, les kids pour passer Pierre, ça va être compliqué, hein. En fait, les trois pour passer Pierre, c'est compliqué. À part peut-être Lipouti, quoi. Magby et les kids ou Lipouti. Je sais pas, c'est quand même pas mal d'avoir un type feu dès le début, non? Pour niquer tous les insectes, etc. Mais Pierre plus Ondine, au moins avec un Electek contre Ondine, je suis tranquille. Puis les Pokémon électriques, je kiffe, quoi. Je pense que je vais prendre les kids, hein. Donc là, il veut se battre. Ok, c'est parti pour voir si je vais... Non, Draiano s'est équilibré ses runs, hein, il l'a laissé niveau 5 normalement. Oh, for Pete's sake, so pushy as always. Oui, calme-toi, c'est bon. Je gère. J'ai vive attaque et gros yeux. Ouais, je m'attendais pas à avoir éclair non plus, mais... Putain, il prend pas grand-chose, hein. Il a quoi, lui? Écrase face. Ok, easy peasy. Mais mec, un crit, je le bats en fait. Je crois que de toute façon, c'est fait pour faire en sorte que tu ne puisses pas perdre le premier combat, je crois. Bah nice. Directement après éclair. Je crois que c'est éclair Thundershock, hein, ouais. Bon bah, premier encounter, c'est parti. C'est un Routout, ça, non? Ok, ouais. Donc normalement ça c'est impossible, hein. Dans Fire Red, dans les premières herbes, c'est littéralement que des Rattata et des Rukul. Ok, Vivata Crit doit tuer, donc ça devrait suffire, je vais pouvoir l'attraper. Ah mais putain, je suis con. Non, t'as pas de Pokéball encore. Donc non, c'est pas mon Encounter. Tant que tu n'as pas de Pokéball, l'Encounter ne compte pas. J'avais oublié que les Pokéballs, tu les obtiens un peu plus tard. Donc je vais passer Zap niveau 7, et puis après, on ira chercher des Pokéballs. Puis en même temps, je peux scouter sur ce que je peux trouver ici, hein. Je peux en profiter vu que je ne peux pas avoir mon Encounter. Mais du coup, il y a des Nidoran. Il y a des Nidoran, des Rukul, des Hoot-Hoot. Je suppose qu'il doit y avoir des Rattata aussi. Oh, il y a même un Ponyta. Bon, je suppose que ça doit être la chance d'Encounter doit être très basse, hein. Ok, on est arrivé à Jadiel. Quel vieux bourré, là. Oui, je viens de Bourg Palette. Donne-moi ton paquet. Donne-moi ma boule. Mais bon, c'est parti pour la vraie Encounter cette fois. Ah, Nidoran femelle. Ok. Je suppose que c'est une bonne encounter. Hein. Parce qu'en plus, je crois que Nidorina... Attends. Ah non, Nidorina, je l'aurais pas niveau 14. Je voulais savoir si il pouvait avoir double pied, en fait. Parce que si elle peut avoir double pied, ça peut être très utile contre Pierre, en fait. Ok, j'ai une autre encounter à gauche. Mais alors, je sais qu'il y a le... Il y a Grimm qui m'attend là-bas. Il y a le rival. Donc, peut-être que je fasse autre chose avant. Il n'y a pas de pêcheur ici, normalement. Ah, il donne la canne directe. Pour faire des encounters... Nice, ok. Du coup, ça permet d'avoir des Pokémon haut avant Pierre, en fait. Très, très bien, ça. Mais du coup, est-ce que je pêche dans la route à gauche? Je crois qu'il y a de l'eau, non? Bah attends, il y a de l'eau, là. Ah, il y a des herbes. Mais oui, c'est vrai.
Il a mis des encounters dans les villes, je crois. Ah, c'est ça. Donc, soit je fais mon encounter normal, soit je pêche pour avoir un Pokémon haut. Je pense que le mieux, c'est que je pêche, non? Je connais ça. Attends, me dis rien, me dis rien. C'est le petit barbichet à la barloche. Oh! Mais c'est excellent, ça, putain! Il a pas d'attaque sol, hein. Il va pour one shot zap quand même. J'aurais peut-être dû XP avant. Et c'est parti, le premier wipe contre un Barbicha. S'il te plaît, capture-le. Ok. Je vais quand même aller vérifier ce que j'ai raté quand même. Je préfère avoir un Barbicha. Ah mais non, mais c'est parce que j'ai statique. Et vu que j'ai statique, j'attire les Pokémon électriques avec zap. Donc c'est pour ça que je trouve un Watt. Oh là là, il y avait un Malos, putain. Bon, ça aide pas pour Pierre, mais... Et c'est bon à savoir pour les essais d'après, en fait. Enfin, j'ai dit, hein, au bout d'un moment, je vais en avoir marre et je vais dire, ok, c'est bon, fini de faire blind et je vais bien regarder toutes les encounters possibles, etc. Pour bien optimiser mes runs. Ouh, Tarzal, ça, c'était une bonne encounter, ça. Bon, ça devrait suffire. Donc là, pareil, soit je peux pêcher, soit je peux aller dans les hautes herbes. J'aimerais bien avoir un autre Pokémon haut, mais... Ouais, voilà, je me doutais que je pouvais pas passer l'herbe tranquille. Attends, je connais ça. Pouiou. Ah, j'ai oublié. Ah, Skitty, ok, ça doit être une bonne encounter de merde, par contre, je pense. Je pense que je suis assez haut niveau pour aller affronter Grimm. Ils doivent être monstrueux, genre, sans déconner. Il y a quand même un Pokémon. Normalement, il en a deux, hein. Il a juste un Piafabec et... Là, il a un Osirapti, ok. Bon, easy peasy alors. Parce que derrière, il y a l'Ipouti niveau 10, quoi. Tanky, hein. C'est quoi, ça baisse la vitesse obligatoirement, non? Oh oh! Ok, je survis au prochain crit du coup. Ah! Ça peut geler, voilà, c'est ça le truc. Ah, il a une baie. Ok. Ok. Mais c'est la merde en vrai! Non mais attends, c'est carrément la merde! Le crit plus le gel, c'est chiant en fait. Mais quoi? Non, stop! Arrêtez! Ok... Pas de crit, s'il te plaît? Ça fait beaucoup, là? Ok... Oh! C'est à moi de crit. Ok. Je crois que je dois sacrifier Mercury. Je pense, hein. Zap, il veut pas être dégelé. Mais attends, mais... Il m'a outspeed, là, à chaque fois, non? Ok, alors, attends. Sard, à 27 PV, il a pris un crit directement. Donc, il a perdu 21 PV. 9, 9, 18... Vous voyez, si ça me tue. Et la Zulie... Mais j'ai perdu, en fait, là. J'ai perdu, vraiment. Ah, et là je me fais outspeed. À tous les coups je me fais outspeed. Bah ouais. Il a outspeed tous mes Pokémon en plus, hein. Ou alors il faut parier sur un défreeze de zap direct. La Zulie a pris deux poudres neige ou un seul? Ok. Ok. Bah, je dois sacrifier la Zulie. J'ai pas le choix. Euh,
Zap, faut que tu défrises tout de suite. D'accord. Il survit normalement, un Powder Snow. À 3 ou 4 PV. Ah, mais ok, d'accord. D'accord. Ok. What the fuck. Je me suis jamais fait autant RNG, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, je suis mort. Allez, tentative numéro 1, c'est terminé. Ah, what? Mais comment? Alors oui, j'aurais pu monter mes Pokémon un tout petit peu plus haut niveau, niveau 11 ou 12, mais... Putain... C'est n'importe quoi, ce que je viens de me bouffer, quoi. En tout cas, c'est une bonne mise en bouche, hein. Ne jamais sous-estimer un fight. Jamais, 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 d'accord? Putain de merde. Oh bah écoutez, deuxième essai, hein. Je m'en fous, je reprends les liquides, hein. Oh merde. C'est pas trop mal un Rattata en early, mais c'est juste que contre Pierre... Oh non, nice, let's go, encore un. De ouf. Oh merde. J'ai oublié d'acheter des Pokéballs. Allez, s'il te plaît. Never punished. Never punished. S'il te plaît, rentre. Ok. Parce que j'ai augmenté Zap à un niveau de plus. Et en fait, ça va être très utile parce que il vient d'apprendre point karaté. Et contre un Lipouti, je pense que ça va être très pratique. Le Run Ender. Hop, un petit karaté shop. Bah, il est pas glace. Ah, il est glace et psy? Ok. Pas gelé, hein. Ok, la baie. Pas gelé. Voilà. Quand il y a une RNG normale, ça se passe comme ça. Incroyable, j'ai battu le rival. Je suis trop chaud. Record battu. On vient de battre le record de la première run. Je me demande si je peux trouver des Topikers vu qu'on est à côté de la cave Topiker. Oh. Ok. Encore un Pokémon inutile contre Pierre. Oh putain, ça commence à faire beaucoup, non? Quoi? Elle vient de me donner un Arcou là, que j'ai pas hâte d'utiliser vu que je viens de faire mon encounter dans la route. Et merde, non mais ça faut le savoir. Ah bah oui, bah la pierre il devient vachement plus simple avec un Arcou. Oh putain, j'ai le seum. Bon bah, cette run elle est foutue, j'ai un tilton à la place du Arcou quoi. Putain, j'étais en train de me dire aussi les encounters, vraiment pour Pierre c'est trop chaud. Et bah oui, on te donne un Arco, ouais. Bah c'est con. Putain de merde. Donc en fait, tu ne fais jamais ton encounter sur la route 2 quoi. Tu prends toujours le Arco en fait. Bon, j'ai notre encounter ici. Quasiment sûr qu'on peut trouver des Pikachu, hein. Enfin, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse là, mais je pense qu'il a dû laisser l'encounter. Ah, là on discute, là on parle, là. Très très bien ça. Non mais c'est pas possible. 4 3 Oh non. Oh non. Oh non. 2 1 C'est pas possible, j'ai pas acheté l'antidote. Oh attends. Je lui donne la Beoran. Oh putain, mais de... Oh là 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 là. Il serait mort au dernier pas, putain. Ok, lui il est esquivable. Il doit pas y avoir beaucoup de spinners, je pense, hein. Je pense que c'est plus populaire dans les nouvelles gènes, les spinners. Les anciens dresseurs, on voulait regarder qu'une ligne, donc c'est parfait. Regarde vers le bas. Nickel. Bon, du coup, il y en a un qui est inesquivable. Mon premier combat qui n'est pas un rival. Et
Ok, c'est un one shot. Bah mais le poteau il se fait x4 aussi. Et bah nickel. Un poussifeu. Et Pewter City. Faut que je parle à tous les PNJ au cas où il y a un gobou qui traîne en fait. Let's go. Ah c'est bon ça. Ah du coup cet encounter là j'ai pas le droit parce que j'ai déjà mon gobou en fait. Ok, est-ce qu'il est esquivable lui? Quoi? Il est même plus dans la caméra. Donc les dresseurs de champions d'arène dans les Romax, c'est pas des merdes. Il y a 3 Pokémon déjà. Parfait. Ah mais le gobou il met trop trop bien là. No space. Je pensais que ce serait pire qu'on aurait un. Enfin, c'est tellement tanky cette merde. Done. Bon bah du coup il n'y a plus que Pierre. Et bah c'est parti, on met tout le monde au cap hein. Je ne connais pas du tout son équipe, je ne sais pas ce qu'il va avoir. Mais bon, je pense que ma team est assez décente, on verra bien. Bon, ils ont pas changé trop les dialogues. Oh, la musique par contre. Ok, il a bien 6 Pokémon, hein. Est-ce que je le Vine Whip ou est-ce que je Croissance avant? Je le Vine Whip, hein, c'est un one shot. Sauf si la fermeté. Mais fermeté marche pas comme ça dans la Gen 3, c'est vrai. Ouh, très bon ça. Ok, pourquoi Rhinocorn? Parce que je l'outspeed et je le one shot encore avec Vine Whip, non? Tant qu'il envoie des faiblesses x4, moi je fais Vine Whip hein. Ah. J'aimerais bien que Sard et Galem reste full HP en fait. Donc je pense que je vais envoyer Parta. Hypnose. Attends une seconde là. Merde, j'aurais peut-être dû prendre Hutout avec moi parce que Hutout il peut pas s'endormir je crois. Ok, Hyper Fang. Ok. Bah, je vais rester jusqu'à ce que Parta se réveille je pense. La mèche, ça devrait aller. Oh nice, le réveil direct. Est-ce qu'il va attaquer tu? C'est combien de dégâts Hyper Fang? C'est 80. Mais il va essayer de m'endormir, donc il faut que je fasse quick attack de toute manière. Pff, nice, et ça rerate. Parfait. Ah! Bien sûr, c'était pas aussi simple. Donc là, il va essayer de me rendormir en boucle de toute manière. Donc je replace un quick attack là. Il me rendort. Non? Ok, pas de crit? Ok, il est mort. Ok, bien joué par ta. Oh! Ok, bah c'est reparti pour Tobobo. Hein. Nice. Est-ce qu'il a Kabuto aussi? Ouais. Et dernier Pokémon, ça doit être Onix, je pense. Eh, je le one-shot avec Vine Whip aussi, hein. Oh, il m'a outspeed. Par contre, si la confusion passe pas, je le tue, je pense. Donc là, le physical spécial split, il s'est pas fait. C'est-à-dire que les attaques plantes sont spé, donc le swagger n'augmente pas mon attaque. Mais, du coup, nickel. Eh bah, eh. Juste, du coup, c'est bon à savoir. L'early game est complètement carry par un seul type plante. J'ai pas besoin de poison powder, merci. Et voilà.
Nickel, une bonne chose de faite. J'ai mon premier badge, prochain level cap 23 avec Ondine. Ça part très très bien. Si bien sûr on oublie la première run. Et c'est tout sur la chaîne. Voilà. Vous n'aurez pas plus de Fire Red Omega sur la chaîne YouTube. Maintenant je vais streamer ça sur Twitch. C'est bien moins chiant. Le lien est dans la description.